Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er octobre, eh oui, 1er octobre 2020, 16h16 heure du Québec, en vacances. Les restaurants, les salles à manger, des restaurants sont fermés euh, au Québec, donc, vacances forcées. Je ne suis pas content, mais je suis là. Puis, je vais travailler plus fort sur YouTube, on va se voir plus souvent. Je vais faire suer le monde. C'est ma spécialité, faire suer le monde. Heureux de vous retrouver, j'espère que ça va bien, même si ça va mal. Et ça va de plus en plus mal, et ça va pas bien. Et imaginez-vous que le fameux débat de mardi, qui était déprimant comme c'est pas possible. Même, mets-toi dans ce que j'ai fait, je me suis mis dans la peau d'un auditeur qui n'est pas américain. Tu sais, qui regarde ça d'un œil euh, vraiment, vraiment euh, non partisan, non intéressé même. D'abord, je me suis endormi à quelques endroits. Du débat, c'était quand même tard, puis moi j'avais travaillé le, ce, ce jour-là, puis c'était vraiment pas euh, intéressant, c'était une cacophonie. Trump a, était toujours en train d'interrompre Joe Biden. Joe Biden a traité Donald Trump de clown, de raciste, parce que Donald Trump n'a pas été capable de condamner un groupe d'extrême droite, hein. ça lui a pris tout son petit change, mais en même temps, il, du même côté de la bouche, il dit. Euh, rester prêt pour aller vérifier ce qui se passe dans les... à ce, à ce même monde-là, pour aller vérifier ce qui se passe dans les bureaux de vote. Donald Trump a essayé de discréditer, de délégitimiser le système électoral américain. C'est complètement hallucinant. Vladimir Poutine ne pourrait pas demander mieux. Il est en train de saliver, boire du champagne en plein débat. 2020, un, le président sortant qui est là en train de délégitimiser le système électoral de la plus grande démocratie. Waouh! S'il ne gagne pas. Donc c'est vraiment une journée sombre. C'était vraiment une journée sombre. Une cacophonie. Tu es en pleine campagne électorale. C'est le premier débat. Les Américains seraient en droit d'attendre et d'entendre de, de la bouche de ces deux candidats présidentiels quel est leur plan pour l'avenir des quatre prochaines années. Ils n'ont même pas été capables, sauf Biden, à un certain moment, qui a été capable d'exposer de un peu son plan euh, économique, mais à peine. Trump absolument rien à raconter, aucun plan, même au niveau de la santé. Il, il est prêt à aller devant la Cour suprême pour euh, dérouter l'Obamacare qui reste, mais rien pour le remplacer. Chris Wallace lui a demandé quel était son plan, il n'y en a pas. Il dit, ça s'en vient, ça s'en vient, c'est parce que... Le 3 novembre, ça s'en vient aussi. Vraiment déprimant. Honnêtement, quand tu regardes ça d'un point de vue là, vraiment lointain, de la planète Mars, tu te dis, ça ne se peut pas. La plus grande démocratie est rendue là, aussi bas que ça, avec deux vieux qui n'avaient rien d'autre à faire que de se lancer des insultes. Et ce qui a été surprenant, c'est de voir Biden être capable de garder le temps et le rythme. Hein? Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit démoli. Il n'a pas été démoli, mais pas du tout. Puis les sondages démontrent que Donald Trump a vraiment, vraiment perdu le débat dans le sens où les gens n'étaient pas contents de son comportement. Les Républicains aussi n'étaient pas contents de son comportement. Et le président sortant. De la plus grande démocratie qui s'en vient de dire que le système électoral n'est pas fiable, que ça va être corrompu, que ça va être de la tricherie. Voyons. Waouh! Et naturellement, le comportement des deux, mais surtout de Donald Trump qui n'arrêtait pas d'interrompre, va forcer la commission des débats à amener, et eh oui, imaginez-vous, un gros bouton de mute. On va mettre en sourdine les deux candidats, mais ça va être surtout Trump, parce que c'est toujours lui qui est en train de d'interrompre son son opposant ben imaginez-vous que le comportement de Trump est, amène des changements à l'institution des débats on va être obligé le modérateur va avoir un bouton dans lequel il va muter, va mettre en sourdine quand l'autre va vouloir interrompre ou va raconter n'importe quoi parce que Donald Trump à un certain moment a attaqué euh, Hunter Biden sous euh, sous un aspect vraiment personnel, de sa lutte, de son combat avec la drogue, la cocaïne. C'est un petit peu, c'est très mesquin. Il faut que tu te mettes dans les souliers d'un père qui a un enfant qui est prêt avec la drogue. C'est pas un cadeau. OK? Bon, on a tous vécu ça. Moi, j'ai consommé de la drogue. Tout le monde connaît quelqu'un qui a consommé de la drogue ou d'un parent qui était pris avec des enfants qui consomment de la drogue. C'est vraiment pas quelque chose que tu soulèves pour essayer de battre un adversaire. Franchement, là, c'était. C'était plus que. c'était plus que. Bon. Donc, la commission du débat présidentiel nous dit, la, la Société de Presse a annoncé qu'elle adoptera bientôt des modifications de son format pour éviter une répétition de la première réunion disjointe entre le président Trump et le démocrate Joe Biden. Donc, pour le prochain débat, tu vas avoir des, des, déjà des changements qui vont être appliqués parce que le monde était tellement découragé, tellement frustré du premier débat que la commission est obligée d'amener des modifications. Imagine-toi. La Commission a déclaré mercredi que le débat avait clairement indiqué qu'une structure supplémentaire devait être ajoutée au format des débats, restant pour assurer une discussion plus ordonnée des questions. Une possibilité en cours de discussion est de donner au modérateur la possibilité de couper le microphone de l'un des participants au débat pendant que son adversaire parle, parle selon une personne familière avec les délibérations qui n'était pas autorisée à discuter publiquement de la question et s'est exprimée anonymement. Mais apparemment, c'est ça qui est la décision finale. Le modérateur, à partir de, du prochain débat, va avoir un bouton pour mettre en sourdine, imaginez-vous, on en est rendu là avec Donald Trump, on est obligé de faire ça. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment déplaisant. Le prochain débat présidentiel aura un format de mairie prévu le 15 octobre à Miami. Donc, un, en plus, c'est un format euh, town hall. Pendant ce temps, la société Nielsen a déclaré que 73,1 millions de personnes ont regardé le débat télévisé, beaucoup moins qu'en en 2015, en 2016, pardon, où il y avait eu plus de 85 000 euh, Américains hein, qui avaient regardé les débats. Là, tu as eu une baisse quand même significative. Et le débat a été télévisé sur 16 réseaux. C'est plus que tout autre événement télévisé depuis le Super Bowl, même si cela n'a pas été le cas des 84 millions qui ont regardé le premier débat entre Trump et Hillary Clinton. En 2016, c'était le débat présidentiel le plus regardé de tous les temps, celui-là. Le modérateur Chris Wallace a eu du mal à prendre le contrôle du débat de mardi à Cleveland en raison d'interruptions fréquentes, principalement de Trump. Les candidats ont interrompu Wallace ou leur adversaire 90 fois dans le débat de 90 minutes, dont 71 par Trump, selon une analyse du Washington Post. Wallace de Fox News a plaidé pour un débat plus ordonné à un moment donné en regardant Trump et en disant... Le pays serait mieux servi si nous permettions aux deux personnes de parler avec moins d'interruptions. Je vous demande, monsieur, de faire cela. Demandez lui aussi à déclarer Trump en parlant de Joe Biden. Eh bien, franchement, vous avez fait plus d'interruptions que lui à déclarer Wallace. Biden, mercredi, a qualifié le débat de gêne national, mais malgré certaines suggestions d'annuler les deux dernières rencontres présidentielles, les deux campagnes ont déclaré qu'elles s'attendaient à ce que leur candidat soit présent. Le directeur des communications de campagne de Trump, Tim Murtaugh, a déclaré que la commission ne faisait cela que parce que les, leur gars avait été frappé la nuit dernière. Le président Trump était le, la force dominante et maintenant Joe Biden essaie de faire travailler les arbitres. Martha Radas, d'ABC News, qui a animé l'un des trois débats Trump-Clinton en 2016, a déclaré que Wallace était dans une situation presque impossible confrontée au même comportement. Elle a déclaré qu'elle aurait pu qu'elle aurait peut-être appelé à un arrêt complet du débat pendant un moment pour recalibrer. Elle n'a jamais eu la possibilité techniquement de couper le micro d'un candidat il y a quatre ans, a-t-elle déclaré. Ce n'était pas non plus dans les règles convenues à l'avance par les candidats et la Commission. Dire « il ne va pas suivre les règles, donc nous ne le sommes euh, pas non plus », c'est une situation sans précédent, a déclaré Radar. C'était tellement incontrôlable. Twitter a été enflammé de critiques à l'encontre de Wallace au début du débat pour avoir perdu le contrôle de la procédure. Cela a, illustré, euh, a été illustré par Joe Scarborough de MSNBC qui a tweeté que fait Chris Wallace, il n'a aucun contrôle sur le débat, et il pose une question et laissons Trump continuer à crier. C'est une honte. Au moment où il était sur Morning Joe, le lendemain matin, Scarborough s'est calmé, ou s'était calmé, il a appelé la commission des débats à agir. Bien que cela ait été euh, extrêmement frustrant, je pense que nous devons tous marcher un kilomètre à sa place avant de dire le lendemain matin, il aurait pu faire ceci ou il aurait pu faire cela, a déclaré Scarborough en parlant de Chris Wallace. Il était dans une situation incontrôlable, c'est pas de sa faute. Hein? C'est <laughs> ça qui est ça. C'est facile le lendemain. En gérant d'estrade, de pouvoir dire comme il. y hein, aurait pu faire mieux, mais. Certains partisans du président ont estimé que Wallace était trop dur avec leur candidat. Trump lui-même a suggéré qu'il débattait également Wallace, mais ce n'était pas une surprise. Wallace a même reçu des critiques de personnalité, d'opinion de son propre réseau. Trump débat du modérateur et de Biden a tweeté l'animatrice aux heures de grande écoute, Laura Ingraham, pendant le débat. Mais naturellement, elle, elle est très partisane, hein. Un autre collègue de Fox News, Geraldo Rivera, a exprimé plus de sympathie. Le gars s'est inscrit pour modérer un débat et il a fini par essayer d'arbitrer un combat au couteau, a-t-il déclaré. Voilà, animateur de Fox News, Sunday, n'a pas été immédiatement mis à disposition pour commentaire par Fox. Il y a un certain scepticisme quant à ce que la Commission peut faire, qui est vraiment significatif. Je ne suis pas sûr qu'un changement de format puisse résoudre ce problème, a déclaré le sénateur. Pat Toomey, républicain de l'État du champ de bataille de Pennsylvanie. Wallace est le seul modérateur du débat présidentiel de ce cycle avec une expérience antérieure après avoir reçu des éloges pour avoir géré le débat final Clinton-Trump en 2016. Les deux autres modérateurs sont Steve Scully de C-Span et Christine euh, Welker de NBC News. Scully anime le débat de Miami, un format de mairie où les citoyens peuvent poser des questions, ce qui peut prendre ou rendre les interruptions plus difficiles. S'étant préparé à cela, la mairie est un événement complètement différent dans le débat olympique. A tweeté David Plouffe, un conseiller de l'ancien président Barack Obama. Si Trump apporte la même méchanceté en Floride, ce sera doublement douloureux à regarder, mais ce sera doublement douloureux pour lui politiquement. Vraiment toute une histoire à suivre, mais on verra quelles seront les modifications. Mais il semble qu'il va y avoir des modifications. Et le petit bouton de sourdine, ça semble être l'option qui est privilégiée.